Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce, je pense, dernier épisode de Spyro. Mais je dis je pense parce que tout dépend comment va se passer cet épisode. Donc ça c'est le 17e et je vais me lancer sur le vol, le dernier vol du moins. Hop, et je vais tenter de tout faire. Alors hop. Vous dire, je m'en souviens plus très bien. Hop, hop là, c'est, il faut avoir les béliers. Oula, oula, oula. Celui-ci, il en reste encore un. Ah, des anneaux. Les anneaux sont un peu durs. Parce qu'il faut pas tomber dans la lave. Ah, j'en ai raté un. J'irai le récupérer plus tard. Ça va, c'est des quads qui ne vont pas trop vite. Donc j'ai le temps de les récupérer. Hop. Et voyez, hop. Là, maintenant, nous avons les pigeons. Ou du moins les vautours. Ils ont l'air d'être côte à côte. Aïe. Par contre, je pense que je vais perdre du temps pour aller récupérer l'anneau qui me manque. Et je l'ai raté de justesse, mais vous voyez, celui-ci est un peu plus facile. Et hop. Il m'en manque 3, ces deux-là. Vous voyez, je vais perdre du temps pour aller rechercher l'anneau. Ce qui va me faire. Vous voyez, j'ai loupé juste d'un anneau. Je vais aller donc le refaire. Vous voyez, il est pas très, il a pas l'air d'être très complexe. Si je me prends dans les murs. Voilà, hop. Là, je vais tenter de ne pas me rater sur l'anneau. Voyez, hop, je me suis pas raté. Ça devrait aller tranquillement là cette fois-ci. Et comme d'habitude, après, je vais aller chercher la fameuse quête. Comme je vous dis, hein, c'est le dernier, la dernière zone que j'ai à faire, donc la dernière orbe et les derniers joyaux à récupérer avant d'aller m'attaquer à la porte. Voilà. J'allais faire une erreur. Là, vous voyez, je perds du temps pour rien. Heureusement, ils sont presque côte à côte, donc je vais essayer de les prendre en fait de front. Je pense que j'irai beaucoup plus vite. Allez hop. Hop, toi aussi. Où sont les deux autres? Voilà, le dernier pas difficile à rattraper. Et voilà. Donc maintenant, je vais tenter d'aller chercher la quête. Et en fait, la quête, vous voyez, le temps est toujours. Il ne touche pas autant tant que je n'ai pas touché un des objets pour. Donc là, vous voyez, le temps augmente. Donc là, je vais tenter de chercher donc cette quête. Elle doit être dans un coin. C'est ça le problème, c'est que voilà, hop, c'est juste une zone. Donc vous voyez, si je touche à peine un. Je pense qu'elle doit être dans un coin du canyon. Là, je tourne en rond, j'ai l'impression. Donc, je vais suivre la route. La route des quads. Je pense que c'est dans un des coins. Est-ce que c'est pas par ici? Ah, je vois un truc par ici. Ça, c'est les. Je vais aller dans la zone, voilà, violette, peut-être par là il y a quelque chose. Peut-être dans la zone où il y a eux. Je vais voir. Peut-être par ici en bas. Je vais tenter de ne pas prendre. Hop. Non, c'est pas par là, apparemment. Je vais continuer par ça. Je
par ici. Peut-être quelque chose. Si j'arrive à trouver. Hop. Je vais me poser là 2 minutes. Tenter de voir. Parfait. De toute façon, il y a bien quelque chose quelque part, parce que il y a toujours, comme vous avez pu le constater dans les autres, il y a toujours une quête de cachet. Elle doit être bien dans un coin de la carte. Est-ce que je peux monter haut? Non, je peux monter que jusque-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien en hauteur. Hop. Je vais continuer par là, peut-être. Non, j'ai fait une erreur. Ah non, peut-être pas. Non, en fait, il ne compte pas tant que je n'ai pas tout touché. En fait, j'ai l'impression, on voit pas, il n'y en a rien à cirer. Hop, je vais voir par là. Non, ici, j'ai vu, apparemment. Ça doit être bien caché quelque part, en fait. Comme vous avez pu le constater dans l'autre vol. Il y avait un endroit caché. Je vais aller voir là où il y a les anneaux. Peut-être, j'ai peut-être pas. Là, ici, peut-être il y a un petit creux, des fois, vous savez. Non, il n'y a pas de petit creux. Si je suis passé. Je sens qu'il y a quelque chose quelque part, de toute façon. Ah, vous voyez, ça se met automatiquement en course rapide. Hop. Je vais essayer de pas tomber dans le. Non, non. Ouais, dommage, je me suis raté. Faut que je voie la quête. Est-ce qu'elle est pas là direct? Fait, ces zones. Cette zone ici m'intrigue un peu, ces zones en hauteur ici, comme ça. Non. Apparemment, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Je regarde aussi les murs parce qu'on sait jamais, il y a peut-être. Il y a peut-être un mur de cassé. À casser, du moins. Je regarde, je regarde. Ah, ça y est, j'ai découvert la zone. C'est celle-ci. Ah, bah, vous voyez, ces chasseurs. Il était bien caché. Je vais spammer. Pourquoi? Ah, ah, ah. Raté.
là, c'est tellement rapide que ça va être un peu dur. Je spam comme un fou. Vous voyez, j'en touche deux en même temps en plus. Et voilà, je suis resté concentré et voilà, c'était la boule. Hop, voilà, j'ai fini cette quête. Et je vais quitter. Voilà, c'est la dernière quête. J'ai ramené tous les joyaux de la zone. Et je vais aller prendre la direction du rivage du dragon. Allez hop, donc ça tombe bien, je suis dans la bonne zone. Et voilà. Je vais aller donc ouvrir les grandes portes des rivages du dragon pour enfin voir ce qu'il y a caché derrière. Mais qu'y a-t-il caché derrière? Donc je vais vous le dévoiler direct. Je vais vous montrer enfin ce qu'il se cache derrière les rivages du dragon. Et là, nous allons terminer totalement le 100%. Je crois que nous avons fait le 100% en fait. Nous sommes à 100% 100% en fait, et là nous allons au-dessus des 100%. Hop. Bravo Spirou. Et voilà, la porte s'ouvre. À propos. Et voilà. Donc là vous avez les petits jeux. Hein. Entre. On s'amuse un peu. C'est juste pour s'amuser. C'était bien amusant. Voilà, je vais récupérer tous les jetons. Je vais aller voir celui-ci. Hop, ah oui, la montagne Uruge, je me souviens. Hop. Là, il saute bien haut cette montagne russe. Vous voyez, les petits mini-jeux. Tranquille. Oula. Je me suis fait avoir. Hop. Je vais continuer. Donc, du moins, je vais recommencer. Ah, je l'ai raté. C'est dommage. Oh, il saute trop haut en fait. Concentration, hop. Ah, bah je l'ai encore raté, je vais devoir encore faire le tour. Malheureusement, hop. Vous voyez, c'était une petite zone de mini-jeu tranquille. Pas prise de tête pour ce grand final. Voilà, j'espère que je vais pas encore rater le dernier. Je
pense qu'il faut juste que je... Voilà. Bien joué, Dra... Et voilà le jeton. D'accord. Ah, il y en a encore. Je vais recommencer. Et j'en ai raté. Oula, oula. J'aurais pas dû sauter. En fait, ceux qui sont en bas, il faut pas sauter. Il faut pas sauter du tout. Et moi, je saute. Et celui-ci, il faut pas sauter. Celui-ci, il faut sauter. Celui-là, il fallait pas sauter en fait. Ouais, il faut sauter rapidement en fait. Là, ça, on s'y attend pas. Bon, je vais recommencer. Et au dernier moment, hop, ça j'ai bien compris, hop, on continue, voilà, là j'ai pu le prendre, voyez, hop, et là je vais essayer de pas me faire me faire prendre par notre petite tortue au milieu du circuit. Voilà. Et là j'en ai oublié. Où en ai-je oublié? Ah là, direct. Voilà. Et voilà. Ah non. Bon, moi je vais refaire le tour. J'ai pas sauté en fait. Je pensais que j'étais bon, mais non, en fait non. Et voilà. Pas mal du tout. Il reste un autre parcours. On va le faire, on va le faire. Je ne terminerai pas tant que tout ce niveau, vu que c'est la fin, je vais pas vous laisser vous couper en plein milieu. Hop. Ça fait bête de ma part. Ah, tire un peu trop bas. J'allais pas le voir celui-ci. Ah, il faut sauter aussi pour en avoir certains. Oh, pourquoi je ne l'ai pas eu celui-ci? Tiré trop tard. Je vais me concentrer pour les suivants. Je vais aller récupérer ceux deux. Voilà. Ah, j'ai tiré trop tard. Je vais re-récupérer. Ah, bah non, il a pas voulu tourner. Bon, mais je vais aller faire les prochains. Tant pis. Il faut sauter en fait. Celui-là. Ah, mince. Je vais aller récupérer ceux que j'oublie en route. Celui-ci a été raté. Celui-là, je l'ai eu. Il va falloir que je refasse quand même un petit tour de looping. Ah mince, j'aurais dû sauter pour celui-ci aussi. Je n'ai pas vu si je l'avais eu, mais je le verrai après. Du moins, je le saurai. Donc, je vais aller là. Je crois que j'en ai oublié un de ce côté. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, c'est bon. Hop. Là, il faut bien appuyer au bon moment. Donc, il faut appuyer bien fort sur le... Voilà, nickel. J'en ai oublié un vert, donc c'est pas trop grave. Et voilà. Je vais aller rechercher. Ah non, bon, j'irai le chercher plus tard. Espérons ne pas bien faire attention. Je vais aller quand même prendre ce rouge avant. Hop, voilà. Quand même éviter de pas me prendre les. Où est-ce que j'en ai oublié un? Je m'en souviens plus.
Bah oui, ici. Donc il faut que je prenne le looping. Voilà. Ah, j'ai tiré trop tard. Ou du moins trop tôt. Je vais récupérer le vert et j'irai faire le rouge. J'allais louper le vert. Encore trop tôt. Faut être bien. Ou peut-être en sautant, je vais voir. Je vais faire les deux si j'ai le temps. Vous voyez, c'est les deux derniers qui manquent. En fait, c'est facile au niveau qu'il n'y a plus d'obstacles, donc voilà. Et maintenant, je vais aller récupérer le dernier. Donc, comme je disais, c'est facile parce qu'il n'y a plus d'obstacles, mais c'est difficile parce qu'il faut avoir le bon timing pour pouvoir tirer. Je vais aller récupérer le dernier. Il faut que je refasse tout le circuit en espérant ne pas me prendre lui qui m'arrive en face. Heureusement que je l'ai raté. Donc je crois que c'était sur le premier. Si je ne me trompe pas. De toute façon, si je me trompe, on fait encore un tour. Voilà. Je crois que c'est ici. Non, c'est pas lui, c'est le deuxième. Donc vous voyez. C'est le second. Je me suis raté, il va falloir que je refasse un tour. C'est le saut en fait qui me laisse pas le temps de tourner. Espérons que. Voilà, c'est bon. En fait, je dois prendre le saut en fait trop long. Donc il a pas le temps d'accepter le de tourner. Ce qui est embêtant. Hop, on descend, on continue. Donc c'est là. J'ai sauté plus tôt. Voilà, vous voyez, et voilà, c'était le verre qui me manquait. Voilà. Voilà, il me restera quelques jetons. Celui-ci, je ne l'ai pas fait. Il doit y avoir des trucs à faire. Là, il y a le couloir de l'amour, mais je vais aller faire celui-ci qui est juste à côté. J'irai faire. Bonjour, bonjour. Ah, c'est le. C'est le. Ok, c'est le. Gratos, gratos. Heureusement, je suis tout seul avec Sparks. Hop. Et là, vous pouvez voir tous les personnages du jeu. Ça va. Comme promis, voici. J'en ai 5. Hop, c'est qu'il y a encore d'autres jeux. Tiens, on va aller voir le celui-ci. Salut, Spiro. C'est pas très difficile. Voilà, il faut aller dans le temps imparti. Là, j'ai spammé donc. Prêt pour le deuxième tour? Voilà. Et voilà. Pas mal. Prêt pour le deuxième tour? Encore un, bon. Encore un. Et je spamme un peu. Et voilà. Vous voyez, il faut juste spammer et aller un peu vite.
apparemment il reste encore un jeu. Aurais-je oublié un jeu? Ah d'accord, il me donne encore des jetons. D'accord, j'avais pas fait attention qu'il m'en donnait d'autres. Voilà. Et voilà, j'ai les 10 jetons. J'avais pas fait attention qu'en fait on pouvait encore tirer dans son dans la cible. Et voilà, j'ai les 10 jetons. On va aller parler à ce à notre ami. Voilà, je vais rentrer dans le théâtre et je me demande ce qu'il y a dans ce théâtre. Il y a peut-être le... Ah, qu'est-ce donc? Ça me remontre en fait les anciennes cinématiques. Carnet. Et ce que je trouve bizarre, c'est que vous voyez, hop, je n'ai pas les 10 000 joyaux, donc je ne suis pas à 100%, et bizarrement, j'ai tout fait. Est-ce qu'il me manquerait un circuit? J'ai peut-être oublié un circuit. Je vais aller retourner en arrière parce qu'il me manque bizarrement une orbe alors que j'ai tout fait. Je vais aller voir si... Ah, mais je crois qu'il y avait un circuit en plus dans dans la toundra. Ah, j'ai peut-être oublié, j'ai peut-être fait un fail. Bon, bah au moins je vous aurais un peu montré la fin, mais je vais vous montrer ce qui se cache derrière le truc qui m'avait fortement étonné à l'époque. Je crois que c'est par ici, si je me trompe pas. Il y a un petit circuit quelque part. Non, ici c'est bon. Ici c'est bon. Si je me trompe, je crois qu'il y avait un... Non, ici non plus. Aurais-je oublié quelque chose? Circuit de canyon. Parce que comme vous voyez, il me manque 400 joyaux, donc ça serait juste un circuit ou quelque chose comme ça qui file 400 pile 400 joyaux. Donc et donc une orbe. Hop, oui, je viens de me ressouvenir que il y avait hop dans la plaine automnale un deuxième circuit. Je l'ai complètement oublié. Et comme ça, je pourrais vous montrer le 100% total. Hop. Je me souviens plus où est la zone. Si, ça y est. Je vais aller vite là. Y aller. C'était le circuit de glace. J'étais en train de me souvenir quel circuit j'avais oublié. Je me souvenais qu'il y en avait 4. C'est bien comme je vous avais dit, il y en avait 4. Je pensais qu'il y en avait 3, un par chaque, mais il y en a un, il en compte 2. Ici, je crois que c'est juste après, là, juste là. Non, c'est pas elle. C'est pas cette. C'est ici. Non, c'est pas lui. Non. Si, je crois que c'est lui. Non, ça c'est l'oasis ombragée. Oula, que je me ne tombe pas. Je crois que c'est là-bas derrière. C'est après. C'est tout au fond. Vous voyez, j'en ai oublié un. Hein. Voilà, c'est celui-ci.
Et vu qu'il est un peu tout seul, je l'ai oublié. Et vous voyez, hop, voilà, comme ça je finirai le jeu à 100% total. Je pensais pas avoir oublié un vol. J'ai fait un fail, mais bon, vous avez pu voir que j'ai pu ouvrir, je pouvais ouvrir la porte. Oulala. Rater cette arche, voilà, hop. Là, je suis un peu, comment on dirait, safe au niveau du temps. Apparemment, la quête est en haut. Non, les patineurs, hop. Il n'y a pas que les patineurs, apparemment. Peut-être fait une. Ah, il y a aussi eux. En fait, c'est mélangé. Oula, oula, oulala. Faut pas que je touche l'eau. Aussi nos petits Loch Ness. Ou Nessie. Hop. Et voilà. Vous voyez, c'était simple. Là, on va aller chercher la quête. Hop. Donc, je me suis souvenu que l'igloo servait à quelque chose, en fait. C'était moins une. Hop. Là, je vais essayer de pas faire attention sur les derniers. Hop. Là, voilà. Réussi. J'ai récupéré les derniers joyaux, donc les 10 000 et la dernière orbe, et je vais vous montrer ce qu'il y a derrière la porte du total 100. Là, j'ai fait totalement 100%. Et hop, je vais reprendre pour repartir. Je vais aller devant la porte du boss et la toundra hivernale, et on va aller au rivage du dragon. Hop, je pensais pas avoir oublié un, mais voilà, je vous en ai oublié un. Et heureusement, c'était un des plus faciles encore. Et là, je vais vous montrer ce qui se cache derrière le 100%, qui m'avait beaucoup, beaucoup fait rigoler à l'époque. Vous comprendrez pourquoi. Vous comprendrez pourquoi dès que j'aurai ouvert cette petite porte. Qui se trouve ici. Et voilà. Voilà, tout ce qu'il y a derrière, c'est une arche qui vous donne le feu, le super pouvoir feu illimité, la super flamme illimitée dans tout le dans tout le, dans toutes les zones. Voilà, c'est tout ce que ça donnait. Ça m'avait un peu fait marrer à l'époque. Vous voyez, en plus là vous pouvez l'utiliser pour ça. Bon tir. Voilà. Donc voilà tout ce que ça donnait ça, alors qu'on aurait pu en avoir besoin pour tout le truc, mais là maintenant on n'en a plus besoin vu qu'on a terminé le 100%. C'est un petit truc rigolo qui était un peu décevant pour ceux qui s'attendaient, je sais pas moi,
un gros boss à aller battre ou une autre petite zone à aller faire, non. Voilà, moi à l'époque ça m'avait fait bien rigoler. J'ai fait tout ça pour juste ça qui aurait pu me servir pour toute la zone, ben voilà. Donc voilà, c'est sur ce dernier épisode que je vous laisse. Donc le prochain Spyro que vous verrez ne s'appelle pas Spyro 3, mais ils l'ont appelé Spyro Year of the Dragon, donc l'année du dragon. Et il y a beaucoup de nouveautés, mais vous le verrez au prochain, non, vous le verrez la prochaine fois. Donc voilà, donc c'est sur ce que je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine série. Allez, salut à tous!